À l'est de l'Asie, sur la moitié sud de la péninsule coréenne, la Corée du Sud s'étend sur un territoire d'environ 100 000 km², entouré par la mer et cerné par ses trois voisins, la Chine, le Japon et la Corée du Nord, seul pays avec lequel elle partage une frontière. Le territoire sud-coréen est couvert à 70% de montagnes, culminant pour les plus élevés à près de 2000 mètres. Les paysages sont aussi marqués par l'omniprésence de l'eau, avec des fleuves de plusieurs centaines de kilomètres de long, comme le Nakdong et le Han, qui traversent la capitale Séoul. La nature s'intègre dans le paysage des villes, souvent cernées de montagnes. Entourée par les eaux, la Corée du Sud possède près de 30 000 km de côte, si l'on compte les 3 000 îles qui font partie de son territoire. Les premières traces de la présence de l'homme sur la péninsule coréenne remontent à la période néolithique, il y a plus de 7 000 ans, avec l'arrivée de populations nomades venues d'Asie centrale. Plusieurs sites préhistoriques attestent d'ailleurs de la longue histoire de ce territoire, une histoire émaillée de nombreuses périodes agitées. Au fil des siècles, la petite péninsule coréenne a toujours suscité la convoitise de ses deux grands voisins, la Chine et le Japon. Annexée par ce dernier en 1910, elle vit alors une période particulièrement troublée jusqu'à la libération et à la scission de la Corée en 1945 entre la République populaire démocratique de Corée au nord et la République de Corée au sud. Deux pays qui se livrent même une guerre fratricide de 1950 à 1953. La Corée du Sud a réussi à traverser ces épreuves en restant elle-même et à rentrer de plein pied dans l'ère moderne en gardant son passé toujours bien présent. La Corée du Sud compte aujourd'hui près de 52 millions d'habitants, résidant pour la plupart à Séoul ou dans les autres grandes villes du pays. Les grandes métropoles sont résolument tournées vers l'avenir. La haute technologie est omniprésente, à travers par exemple l'utilisation systématique des smartphones dans la vie courante. Depuis les années 1960-1970 et l'essor économique du pays, l'accès des Coréens à la consommation de masse a radicalement changé leur mode de vie. Ce bouleversement transparaît également dans l'architecture résolument moderne de nombreux quartiers de Séoul et des autres grandes métropoles du pays, avec des bâtiments faisant preuve souvent d'une grande créativité. Les grandes villes continuent de s'agrandir sans cesse et de se transformer. Ce développement rapide et à grande échelle n'a cependant pas fait disparaître les vestiges du passé. De nombreux bâtiments traditionnels témoignent de la richesse de l'histoire coréenne et des influences chinoises et japonaises sur son architecture. Même si beaucoup ont dû être restaurés à la suite de la guerre, ce riche patrimoine historique continue de s'inscrire dans le paysage coréen. Malgré cette urbanisation importante, la nature reste également essentielle pour les Coréens qui ont à cœur de la préserver. Les espaces verts ont même augmenté depuis quelques années dans les villes. Un indice révélateur de la volonté du gouvernement et de tout le pays d'œuvrer à la sauvegarde de l'environnement. Les paysages sont aussi marqués par l'omniprésence du système d'écriture coréen, le Hangul, un alphabet de 40 lettres propres à cette langue, mis au point dès le 15e siècle et considéré comme l'un des plus élaborés du monde. Au plan spirituel, le christianisme s'est largement répandu depuis 1945, au point d'être aujourd'hui la première religion du pays. Le bouddhisme, introduit en Corée dès le 4e siècle et qui fut longtemps religion d'État, reste la deuxième grande religion, comme en atteste la présence de nombreux temples et lieux de prière à travers le pays, surtout dans les campagnes et les régions montagneuses. Le mode de vie et les traditions restent aussi très marqués par l'héritage du chamanisme et du confucianisme. On estime par ailleurs que plus de 40% des Sud-Coréens ne pratiquent aucune religion, ce qui n'empêche pas la Corée du Sud d'être un pays très tolérant dans le domaine spirituel. Avec une population concentrée dans les zones urbaines, les infrastructures de transport jouent un rôle essentiel. Depuis une dizaine d'années, les villes les ont largement modernisées pour fluidifier les déplacements au quotidien, tout en limitant la pollution. Le réseau routier est ponctué par de nombreux tunnels, indispensables pour composer avec les reliefs.
Même si les communications sont rendues difficiles par les montagnes, le réseau ferroviaire couvre la plus grande partie du territoire et permet facilement de rallier une ville à l'autre. Le réseau aérien est lui aussi particulièrement bien développé. De nombreux atouts ont permis à la Corée du Sud de devenir une grande puissance économique. La pêche y a par exemple toujours été un secteur très dynamique. Les produits de la mer occupent d'ailleurs encore aujourd'hui une part importante dans l'alimentation quotidienne des Sud-Coréens. Le pays a aussi réussi à préserver ses savoir-faire ancestraux et son artisanat traditionnel, à commencer par sa céramique, une filière vieille de plusieurs millénaires. L'intérêt toujours vivace pour la calligraphie est un autre témoignage de ce mariage réussi entre modernité et tradition. Il suffit d'ailleurs de s'éloigner un peu des grandes villes pour découvrir une autre facette plus intemporelle de la Corée du Sud. Dans les campagnes, on perçoit en effet d'autant mieux la force et le poids de ces traditions. À l'opposé de la frénésie des grandes villes, les cultures dessinent les paysages dans une atmosphère apaisée et les villages traditionnels offrent une véritable plongée dans la Corée d'autrefois. Les Sud-Coréens restent d'ailleurs très attachés à leurs racines et quand ils le peuvent, préfèrent acheter les productions locales plutôt que des produits importés. Quasiment dépourvue de ressources fossiles, la Corée du Sud est depuis longtemps dépendante des importations pour ses besoins en énergie. En raison de l'évolution du mode de vie et de l'importance des activités industrielles, le pays est devenu en effet très gourmand en énergie. Malgré le développement d'une filière nucléaire depuis les années 1990, la priorité est désormais donnée aux économies d'énergie. Devenue une vraie puissance économique, la Corée du Sud se situe notamment au premier rang mondial dans des secteurs comme les télécommunications et l'électronique. Elle mise sur les hautes technologies pour poursuivre son développement. Si en Occident, on connaît surtout les stars contemporaines de la K-pop, la pop coréenne, la musique traditionnelle ou gugak reste encore bien vivante. Les danses traditionnelles de Corée sont le plus souvent pratiquées en groupe, généralement de femmes. C'est le cas par exemple du Bucheon, la danse des éventails. Les Coréens continuent de porter les vêtements coutumiers pour les spectacles folkloriques bien sûr, mais aussi pour les cérémonies religieuses et bien d'autres occasions. Après l'annexion japonaise de 1910, la musique traditionnelle coréenne connut un déclin jusqu'à l'indépendance du pays. Elle a survécu malgré tout et continue aujourd'hui de rythmer les grands événements coutumiers. Les Sud-Coréens excellent particulièrement dans les arts du spectacle et de la mise en scène. Une tradition qui découle directement des anciens rituels chamaniques. De nouvelles pièces de théâtre, du style le plus classique au plus expérimental, sont régulièrement mises à l'affiche dans les nombreux centres d'art public du pays. Fondée il y a plus de 2000 ans, Séoul est la capitale de la Corée depuis plus de 6 siècles. Dévastée lors de la guerre entre 1950 et 1953, elle a été depuis reconstruite et s'est développée jusqu'à devenir la troisième mégapole la plus peuplée au monde, juste devant New York. C'est aujourd'hui le centre névralgique de la vie politique et économique du pays et la fenêtre de la culture coréenne avec ses installations et ses équipements culturels modernes. Séoul s'est aussi hissée au rang de ville internationale en accueillant de grands événements sportifs comme les Jeux olympiques. Pour autant, la capitale n'a pas oublié son histoire. Au milieu de quartiers ultramodernes, elle abrite de nombreux vestiges du passé. Séoul compte même 3 monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le palais de Jongbokgung est un autre fleuron du patrimoine de la ville, restauré après avoir été presque entièrement détruit par les Japonais au début du XXe siècle. Dans cette mégapole ultramoderne, l'histoire reste en effet omniprésente, à l'image de la statue de l'amiral Lee Sung-shin, un héros qui sauva 2 fois son pays au cours du XVIe siècle. Dans le centre-ville, le Cheonggye-chen est un autre témoignage d'un passé qui n'a pas vocation à disparaître. Cette promenade de près de 6 km de long
a été ouverte après d'importants travaux de réaménagement. Le Cheonggyecheon était initialement un cours d'eau traversant Séoul d'est en ouest, avant d'être recouvert et transformé en voie express. En 2003, il fut décidé de supprimer la route pour remettre au jour le cours d'eau, devenu désormais un lieu de promenade très populaire. Un pont très ancien a été précieusement conservé, contrastant avec un environnement résolument ultramoderne. À l'opposé du Cheonggyecheon, la Lotte Super Tower, le plus haut gratte-ciel de Séoul, semble défier les cieux et la gravité. Autre fleuron de l'architecture de Séoul, les trois îles artificielles du complexe culturel Sebitseum, inaugurées en 2014 sur la rivière Han. Pour rejoindre l'autre berge du fleuve, on peut emprunter le pont de Banpo, devenu attraction depuis qu'il a été doté de jets d'eau qui en font une véritable scène de spectacle. L'art, sous toutes ses formes, est partout à Séoul. La ville affiche sa volonté de concilier un développement ultra rapide, la préservation de son patrimoine et une ouverture à l'esthétique moderne. Le Dongdaemun Design Plaza témoigne de ce goût pour l'innovation et l'art contemporain. Situé dans le quartier branché de la porte Dongdaemun, ce gigantesque complexe aux aires de vaisseau spatial argenté abrite des salles d'exposition, des amphithéâtres, des espaces de conférences et de nombreuses boutiques. Le nouvel hôtel de ville semble vouloir protéger l'ancien bâtiment situé juste à côté, symbole d'un présent et d'un passé définitivement liés. D'ailleurs, pas besoin de chercher longtemps une preuve de l'attachement du peuple coréen à sa culture, avec cette animation de danse traditionnelle sur la place même de l'hôtel de ville. Les danseuses utilisent des éventails pour figurer des oiseaux, des fleurs, des papillons et des vagues. Un autre hommage à la riche histoire coréenne, la reconstitution de la parade funéraire du roi Joseon. À la fin du XVIIIe siècle, celui-ci fit déplacer le tombeau de son père du palais de Cheongdeok-gung à une forteresse de la ville voisine de Suwon. Cette reconstitution fait emprunter le même parcours à plus de 2000 figurants portant les mêmes vêtements qu'à l'époque. Le palais de Cheongdeok-gung est l'un des sites historiques majeurs de Séoul. À l'entrée, il est possible de louer un costume traditionnel de façon à pouvoir visiter les lieux en harmonie avec l'atmosphère du passé. Construit au XVe siècle, le Cheongdeok-gung, ou palais de la prospérité, a été le palais favori de nombreux rois de la dynastie Joseon. Plusieurs fois détruit ou attaqué au cours des siècles, le palais reste, malgré plusieurs rénovations successives, fidèle à sa conception initiale. Les vestiges de l'ancienne muraille de Séoul, ou ceux de la forteresse bâtie durant la dynastie Go-Joseon, donnent l'impression d'un étonnant voyage à travers le temps. Trois fois par jour, la relève de la garde reproduit un rituel instauré dès le XVe siècle. Les gardiens en armes et costumes traditionnels semblent toujours sur le qui-vive. Fondé en 1395, le temple de Jeogyesa est un haut lieu de la religion bouddhiste. Ce lieu de recueillement et de prière se pare de multiples couleurs chaque année à l'automne, à l'occasion du festival du chrysanthème. De drôles de personnages et animaux en fleurs prennent à leur vie dans les jardins du temple. Le chrysanthème est une fleur très importante ici, utilisée notamment pour être consommée sous forme de thé médicinal. Les visiteurs peuvent profiter de leur passage au temple
pour laisser des billets manuscrits exprimant leurs souhaits et leurs prières. Le temple de Jogyesa est le siège de l'ordre Jogye du bouddhisme coréen et il abrite des reliques de Bouddha. Dans la cour principale, deux arbres de plus de 500 ans veillent à la sérénité du lieu. Un autre quartier de Séoul témoigne de l'attachement des Sud-Coréens à leur histoire. Le village de Bukchen. Cet ensemble de petites rues étroites abrite des hanok, les maisons coréennes traditionnelles particulièrement bien préservées. Ce type d'habitation cherchait à créer une harmonie entre l'homme et la nature, depuis leur conception jusqu'au choix des matériaux utilisés pour leur construction. Une harmonie que favorise la présence de nombreux arbres fruitiers, comme les plaqueminiers, aux branches chargées de kaki. Mais Séoul n'a pas les yeux seulement rivés sur son passé. C'est avant tout une mégapole à la pointe du modernisme qui fourmille d'activités. Pour permettre à ses quelques 10 millions d'habitants de se déplacer quotidiennement, elle s'est équipée d'un réseau de transport moderne, incluant le bus, le métro et le train. Des infrastructures telles que les gares de Yongsan ou de Séoul sont des points de croisement stratégiques pour les passagers du métro et des trains reliant la capitale aux autres villes de la zone urbaine. Avec plus de 25 millions d'habitants dans une conurbation incluant les villes voisines de Incheon, Suwon et Goyang, et un réseau routier souvent saturé, l'amélioration et l'expansion du réseau ferré s'est avéré un choix nécessaire pour permettre à la région de poursuivre son développement. La Corée du Sud possède son propre train à grande vitesse, le KTX, ou Korea Train Express, le TGV local. Avec une vitesse pouvant atteindre les 300 km/h, il permet chaque année à des dizaines de millions de passagers de rallier les principales villes du pays. La Corée du Sud est également à la pointe dans un autre domaine qui représente un pan important de l'économie du pays, l'électronique. À Séoul, un quartier tout entier lui est dédié, Yongsan, le marché de l'électronique. Un énorme centre commercial regroupe une bonne vingtaine de bâtiments hébergeant plusieurs milliers de magasins et d'ateliers où l'on peut faire réparer ou acheter tout ce qui touche à l'informatique, la Hi-Fi, la téléphonie mobile ou les jeux vidéo. Mais dans ce pays si fier de ses traditions et de son héritage, les amateurs de shopping trouvent bien d'autres centres d'intérêt. Le quartier d'Insadong, situé en plein centre de Séoul, est réputé pour ses galeries et s'est spécialisé dans l'artisanat précieux. Les boutiques se succèdent, proposant tous les objets d'art traditionnels, de la céramique au coffret de nacre. La calligraphie est pour les Coréens une façon d'exprimer leur fierté envers l'alphabet spécifique de leur langue, le Hangul. Cette discipline très ancienne utilise encore aujourd'hui les mêmes outils qu'autrefois. Les outils sont simples. Il y a quatre éléments. Il faut du papier, une pierre à encre de Chine, des pinceaux et bien entendu de l'encre de Chine. On appelle ces quatre éléments les amis des lettrés. Même si elle est un peu tombée en désuétude auprès des jeunes générations, la calligraphie reste un art important dans la culture coréenne. Autre témoin de la vivacité des traditions, le marché couvert de Gwangjang. Il est partagé en plusieurs sections, dont une consacrée aux tenues traditionnelles. Le hanbok est depuis des milliers d'années le costume traditionnel coréen. Jusqu'à l'adoption des vêtements occidentaux, il y a environ un siècle,
hommes et femmes le portaient quotidiennement. Aujourd'hui, on porte le hanbok, principalement les jours de fête et à l'occasion des mariages. Autre secteur du marché, la nourriture. On y trouve des produits frais ou prêts à consommer de toutes sortes, comme les buchingae, ces galettes frites très appréciées des Coréens. Le choix des amateurs de gourmandise se porte souvent sur les gultare, une délicieuse spécialité au goût de miel agrémentée de différentes noix. Les produits de la mer, tous les produits de la mer, sont des éléments très importants de la gastronomie coréenne. Les traditions restent bien vivantes dans tous les domaines en Corée du Sud. L'une d'entre elles, le taekwondo, fait désormais des adeptes dans le monde entier et attire même les plus jeunes. Le taekwondo permet d'améliorer la souplesse et favorise l'épanouissement mental. Le taekwondo est le plus ancien des arts martiaux coréens. Cette discipline utilise notamment la main et le pied. La grande différence par rapport aux autres arts martiaux, c'est qu'il sert non seulement à l'autodéfense, mais aussi au développement personnel. Bien joué, bravo! Le taekwondo n'est pas seulement une compétition. Il peut être aussi un spectacle. Des démonstrations permettent au public d'admirer le talent des meilleurs combattants. La diversité des techniques de coups de pied, notamment, fait que le taekwondo n'est pas seulement un art martial, mais un art tout court. Débordante d'activité la journée, Séoul ne s'endort pas avec la tombée de la nuit. La vie nocturne n'y a rien à envier à celle des plus grandes métropoles. La place Gwanghwamun est en soirée un lieu de promenade incontournable. Les silhouettes du passé dominent la nuit et les formes séduisantes d'une ville résolument tournée vers l'avenir. Toutes les lumières s'associent pour mettre en valeur la diversité du patrimoine architectural. Et sous les arches des ponts qui enjambent le Cheonggyecheon, l'eau reflète les silhouettes du présent. À proximité de la rue très commerçante de Myeongdong, qui accueille plus d'un million de visiteurs chaque jour, un marché est ouvert une bonne partie de la nuit. C'est le plus ancien et le plus grand marché du pays. Beaucoup de Coréens viennent y dîner. La street food est une véritable institution. Les pojang matcha, ces stands vendant des plats tout chauds, sont innombrables et proposent une variété quasi infinie de spécialités. Le quartier Itaewon est un autre haut lieu de la vie nocturne, souvent surnommé le village international de Corée, en raison de son ambiance multiculturelle. De nombreux étrangers y résident et il abrite une multitude de bars et restaurants des quatre coins du monde. La cuisine coréenne est bien entendu très représentée, avec notamment le bulgogi, le célèbre barbecue coréen, une viande marinée, grillée à la table. D'où l'importance des cheminées individuelles. Mais le barbecue n'est que l'une des innombrables facettes de la gastronomie coréenne. La diversité des plats donne véritablement le tournis. Direction sud, vers la pointe de la péninsule. C'est dans le sud du pays que se situent la plupart des grandes villes, comme Daegu, Busan ou Suncheon. Mais aussi quelques-uns des paysages les plus beaux et les plus emblématiques de Corée. Dans cette région, comme sur l'ensemble du territoire, les montagnes sont omniprésentes.
Elles ont réellement façonné l'âme de la Corée du Sud, tout comme elles en dessinent les paysages. Dans le comté de Bosong, le relief a été mis à profit pour produire un thé vert à l'arôme et au goût sans pareil. Dans cette seule région est produite près de la moitié de tout le thé vert récolté en Corée du Sud. Un système de ventilation est prévu pour protéger les plants du givre, car l'hiver peut être très froid dans les montagnes coréennes. Les alignements des plantations sont un décor idéal pour les adeptes du selfie. Pour préserver et célébrer la tradition du thé vert, un musée met à l'honneur la cérémonie du thé. Une pratique de plus en plus populaire face au rythme trépidant du mode de vie contemporain, car elle offre un moment de détente et de sérénité. Ce rituel remonte au 7e siècle. La théière et les tasses utilisées varient selon les saisons. Il faut d'abord réchauffer les tasses des convives avec de l'eau chaude. On verse ensuite les feuilles de thé dans la théière avant de les recouvrir d'eau chaude. Cela permet de les rincer et de les ouvrir pour qu'elles libèrent tout leur arôme. La température idéale de l'eau varie selon la saison à laquelle les feuilles ont été cueillies. Le thé est enfin prêt à être versé et dégusté. Les invités doivent attendre que leur hôte se serve avant de pouvoir prendre leur tasse. La coutume du thé a su s'adapter au monde moderne. Les produits dérivés sont nombreux. Il y a même la crème glacée au thé vert. À proximité de Bosong, un autre musée met à l'honneur une autre spécialité coréenne, le céladon. Ce type de céramique a été inventé par des potiers chinois. Il est resté ici très populaire, en raison de sa couleur bleu-vert, qui rappelle celle du jade, une pierre, symbole d'éternité. Depuis l'extraction de l'argile du sol, le musée explique tout le processus de fabrication du céladon jusqu'à la finition des objets. On y découvre comment la matière première est transformée en vases, théières et bien d'autres objets grâce au tour du potier. Le céladon Koryo a été développé vers le 9e siècle à partir de la technique des poteries de la dynastie Silla et du céladon chinois, en plus de la technique propre à la poterie coréenne. Il a évolué pendant 500 ans pour devenir ce fameux céladon coréen qui a la couleur bien particulière du jade. C'est la qualité de la terre et la technique de cuisson utilisée qui donne au céladon coréen cette couleur si particulière, qui a fait sa renommée mondiale. Le céladon était au départ plutôt réservé pour des objets simples, utilisés quotidiennement, comme les services à thé. Grâce au travail remarquable des artisans capables de façonner ce matériau et de le décorer de motifs toujours plus sophistiqués, de nombreux objets en céladon sont de véritables œuvres d'art. Suncheon, une des grandes villes du sud de la Corée. Située au fond d'une baie un peu en retrait de la côte du détroit de Corée, Suncheon est connue notamment pour ses festivals culturels et gastronomiques. La ville a connu un essor économique ces dernières années qui lui a permis de fortement se développer.
Mais les amateurs de nature apprécient aussi ce que la ville a à offrir. Exemple, le Sunchen Bay Garden, un jardin botanique orienté vers le monde. On y trouve par exemple une reproduction des célèbres jardins à la française. Les visiteurs du parc sont en permanence invités au voyage. Un moulin à vent, par exemple, évoque la Hollande. L'immense jardin recèle bien des surprises. D'étranges silhouettes taillées dans la végétation, des massifs colorés de toutes sortes de fleurs et de plantes qui revêtent leur plus belle parure au printemps. Et même la silhouette familière d'une vieille voiture transformée en jardinière. Le Sunchen Bay Garden abrite plusieurs centaines de milliers d'arbres et de fleurs. Mais la baie de Sunchen est sans doute le véritable trésor écologique de cette partie de la Corée. On y trouve des centaines d'espèces de plantes et une faune importante qui compte beaucoup d'oiseaux, mais aussi ces poissons capables de survivre hors de l'eau. Et plusieurs types de crabes, notamment des crabes fantômes et des crabes de sable. La baie est une zone humide naturelle de près de 30 km², protégée depuis 2006. Ce carrefour entre fleuve et mer est l'une des zones côtières humides les plus exceptionnelles au monde. Largement recouverte de hauts roseaux, la baie de Sunchen est un vrai paradis pour les oiseaux migrateurs. Ses vastes étendues, accessibles seulement par bateau, sa végétation et ses mangroves abritent au total plus de 200 espèces d'oiseaux. Certaines, extrêmement rares, ont trouvé refuge ici. Cet écosystème compose un majestueux paysage empreint de sérénité, été comme hiver. Un autre haut lieu de la région qui, lui, n'a rien de naturel, le village de Nagan, transformée en forteresse au XVIIe siècle pour résister surtout aux attaques des pirates japonais. Derrière ces longues murailles, le village est l'un des rares de cette époque à être resté intact. Il est admirablement préservé avec ses maisons aux toits de chaume entretenues aujourd'hui encore grâce aux techniques et au savoir-faire traditionnel. Même s'il est toujours habité, Nagan apparaît comme un lieu figé dans le temps. Surtout lorsque résonnent les notes d'une chanson très ancienne. Le gayagun est un instrument de musique coréen traditionnel. On joue du gayagun en pinçant et en faisant vibrer ses 12 cordes. Et les thèmes des chansons se ressemblent. Il y a beaucoup de thèmes dans les chants traditionnels coréens qui reflètent la vie en général et l'émotion. En fait, ce sont les thèmes préférés des Coréens. À travers le village, de nombreuses activités d'autrefois ont repris vie. Des lavandières utilisent le battoir pour laver le linge. Dans un atelier de teinture, les fleurs de la région sont utilisées pour donner leur couleur à des vêtements et à des étoffes, selon les mêmes méthodes qu'autrefois. Un peu plus loin, le maréchal Ferrand s'active dans sa forge pour façonner les outils qui serviront à la vie quotidienne et à la culture des champs. Tandis que les jeunes garçons préfèrent s'adonner au touho, un jeu d'adresse traditionnel. Découvrir Nagan, c'est une véritable immersion dans les coutumes et le passé de la Corée.
Le paysage intemporel dessiné par les rizières qui entourent le village renforce cette impression d'un lieu resté à l'écart du présent. Le riz occupe plus de la moitié des terres cultivées du pays, devant les autres céréales, les fruits et les légumes. Non loin de Nagan, la ville de Jinju est elle aussi, au mois d'octobre, entourée de murailles. Mais celles-ci sont en carton-pâte. C'est le Festival des Lanternes qui commémore la grande bataille entre les Coréens et les Japonais, qui a eu lieu ici, en octobre 1592. Le Festival des Lanternes de Jinju est une manifestation qui a été mise sur pied pour rendre hommage aux 60 000 soldats qui ont trouvé la mort au cours d'une grande bataille contre les Japonais. C'est la fameuse bataille qui a suivi l'attaque japonaise de 1592. Pour rendre hommage à ces soldats, le site est envahi de figurines de papier qui sont en fait des lanternes. Sur la rivière Namgang, flottent de gigantesques créatures fantastiques. Le Père Noël lui-même est invité à la fête. D'ailleurs, pour l'occasion, le monde entier est représenté à Jinju, depuis les pyramides d'Égypte jusqu'au Moai de l'île de Pâques. La tour de Pise penche vers la Statue de la Liberté, sous la surveillance des gardes gallois de l'armée britannique. Le long des berges ont lieu des démonstrations d'activités traditionnelles, comme le jeu de Penginori. Mais la principale attraction du festival n'intervient que la nuit tombée. C'est le moment de l'illumination des centaines de lanternes qui parsèment le site. Surgit du passé, les silhouettes des anciens soldats coréens et japonais nous font alors revivre la grande bataille de Jinju. Car au-delà de la poésie gracieuse de ces silhouettes scintillantes, le festival reste le témoignage de l'esprit patriotique des Coréens. La bataille de Jinju étant l'un des socles historiques qui ont façonné l'identité du pays. Sur la rivière aussi, les lanternes s'allument, illuminant les eaux d'une infinité de reflets multicolores. Les figurines semblent alors prendre vie. Un moment magique, une féerie de lumière. Perdu dans les montagnes au sud du pays, le temple de Songwongsa est l'un des trois hauts lieux du bouddhisme en Corée du Sud. Fondé il y a 1300 ans, il fut plusieurs fois détruit, mais il a depuis retrouvé son prestige d'autrefois. Songwongsa est aujourd'hui un monastère œcuménique dans lequel les différents courants du bouddhisme sont pratiqués. Ouvert sur le monde, le temple accueille régulièrement pour quelques jours des groupes de dévots qui viennent s'initier à la vie des moines. La beauté et la sérénité des lieux sont propices au recueillement. Dans la religion bouddhiste, l'homme est invité à se sentir responsable de la nature, à la traiter avec amour et respect, et à en prendre soin pour qu'elle continue de lui prodiguer toutes ses ressources. Des stèles rendent hommage à la mémoire de moines disparus. Au fil des siècles, Songwongsa a abrité beaucoup de religieux importants dans l'histoire du mouvement bouddhiste coréen. Certains ont même fait partie des dirigeants du pays. Le temple renferme de nombreux trésors. Les peintures ne sont pas seulement décoratives. Elle transmet également les enseignements de Bouddha. Les moines sont très accueillants avec leurs visiteurs. Même s'ils ont quitté leur famille pour suivre leur vocation, leur rôle est d'étudier l'enseignement du Bouddha
et de l'appliquer dans la vie quotidienne. Dans l'un des bâtiments, 1250 statues de Bouddha entourent les effigies des 16 moines les plus importants à être passés par le temple. Le soir, c'est l'heure du Yebul, le service bouddhiste. Cette cérémonie est l'occasion de faire des offrandes et de rendre hommage au Bouddha à travers les chants, la musique et la méditation. Le Yebul est aussi un moyen de se tourner vers soi-même pour renforcer son engagement. Le rituel des 108 prosternations est un moment important de la cérémonie. 108, comme le nombre de compartiments dans l'esprit humain, d'après les principes bouddhiques. Chaque prosternation retire une souillure et nettoie un compartiment de l'esprit, permettant de faire en sorte que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. La cérémonie s'achève autour du tambour du Dharma, l'un des quatre instruments majeurs du bouddhisme. Le son du tambour est censé faire écho aux enseignements de Bouddha et résonne pour sauver tous les êtres habitant la terre, les humains comme les animaux, du plus grand au plus petit. Les moines se relaient pour donner un concert impressionnant. La cloche de Brahma marque la fin de la cérémonie et aussi la fin de la journée. Au sud de la péninsule, Jeju est une grande île née il y a 2 millions d'années d'une gigantesque éruption volcanique. Le parc national Hallasan entoure un volcan qui est la plus haute montagne de Corée du Sud. En parcourant l'île, on réalise la beauté d'un écosystème unique qui comporte une flore particulièrement riche, avec 90 espèces endémiques et d'innombrables espèces d'oiseaux. L'originalité de Jeju est due en grande partie à son origine volcanique, que l'on ne peut ignorer. En effet, le volcan Sangunburi et son cratère de plus de 2 km de circonférence ont façonné l'île entière. Les paysages sont marqués par l'omniprésence des pierres de lave, qui raconte l'histoire de la formation de l'île. La grotte de Manjangul est un témoin impressionnant de cette histoire. Découverte par hasard, elle est le point d'entrée d'un réseau de galeries souterraines de plus de 13 km, qui en fait sans doute le plus long tunnel de lave naturelle au monde. Un tunnel qui s'est formé en même temps que l'île lorsque la lave en fusion sous la surface du sol s'est solidifiée. Cet espace gigantesque, avec des voûtes atteignant souvent les 20 mètres de haut, semble s'étendre à l'infini. Les Dol Arebang représentent d'anciennes divinités censées protéger les habitants contre les démons. Sculptées ou non, les pierres volcaniques sont omniprésentes à Jeju. Elles ont façonné autant les paysages de l'île que les croyances et les coutumes des habitants. Même les pierres tombales étaient sculptées dans la lave. Dans le centre de l'île, une forêt porte le nom de Saryoni, ce qui signifie « sacré » en dialecte local. Ici, les arbres aux formes improbables, chênes, cyprès japonais ou érables, créent une ambiance propice à la méditation. Et les pierres de lave qui jonchent le sol racontent le passé géologique de l'île. Les chevaux aussi racontent un pan de l'histoire de l'île. Vers le XIVe siècle, les Mongols arrivaient ici pour conquérir le Japon avaient emmené avec eux leurs chevaux. Ils les croisèrent avec les poneys locaux. Une nouvelle race était née, le poney Jeju, considéré aujourd'hui comme un trésor national.
Les mandarines sont une autre spécialité de Jeju, où elles profitent de conditions climatiques idéales et d'un sol riche de cendres volcaniques. Leur goût juteux et sucré leur vaut d'être réputés à travers tout le pays. À l'extrémité est de Jeju, le pic du soleil levant est l'un des sites emblématiques de l'île. Ce cratère s'est élevé du fond de la mer après une éruption volcanique il y a environ 100 000 ans. Il surplombe désormais toute la côte où les plages de sable clair font figure d'exception sur ce versant de l'île. En effet, la plupart des côtes de ce côté de l'île sont couvertes de roches ou de sable noir, un autre héritage du passé volcanique de Jeju. Très touristique, Jeju est une destination à la mode pour les voyages de noces. Les jeunes mariés sont séduits par la beauté des paysages et son atmosphère hors norme. S'il a largement contribué à développer l'île, le tourisme n'a pourtant pas totalement bouleversé les habitudes des habitants. À Jeju, comme dans toute la Corée, les coutumes sont tenaces. Les Ennyo, les femmes plongeuses en apnée, sont sans doute les figures les plus célèbres de l'île. Ces plongeuses expérimentées sont connues pour être capables de retenir leur souffle pendant parfois plus de 2 minutes. La plupart des Ennyo sont aujourd'hui très âgées, mais elles restent néanmoins en pleine forme. Je travaille comme plongeuse. Cela fait 60 ans que je travaille. J'ai maintenant 73 ans. Ma grand-mère, ma mère et moi-même, nous sommes 3 générations de plongeuses. Mais mes enfants, eux, ils font autre chose. Certaines plongeuses travaillent encore au-delà des 80 ans. Mais la relève n'est plus vraiment assurée. Avant que nous soyons connus, nous étions 7000 plongeuses dans cette île. Mais en ce moment, nous ne sommes plus que 4400. Les plongeuses de Jeju peuvent ramener des bulots, des ormeaux, des oursins, des poulpes et toutes sortes de poissons. Les Ennyo plongent jusqu'à 7 heures par jour, descendant parfois à plus de 15 mètres de profondeur. Jeju n'est jamais aussi belle que vue de la mer. Pour s'en convaincre, il suffit de contourner en bateau le pic du soleil levant. Contrairement aux flancs nord et ouest qui sont verdoyants, ses flancs sud et est sont des falaises tombant à pic dans la mer. Aux alentours, des dizaines de rochers acérés émergent de l'eau. La mer, les rochers, le volcan et son atmosphère mystérieuse font de Jeju une des destinations touristiques les plus prisées des Coréens. Retour à Séoul. Entre tradition et modernité, la Corée du Sud continue à écrire son histoire. Un peu comme une représentation de Chimchung, une pièce tirée d'un vieux roman coréen. Projection d'images, danse en costume traditionnel, c'est l'histoire d'une jeune fille vendue pour que son père retrouve la vue. L'accent est mis sur l'amour filial, une valeur héritée du confucianisme, toujours essentielle dans la philosophie coréenne. Dans le domaine artistique, comme dans tous les domaines touchant la vie quotidienne, la Corée du Sud n'hésite pas à tirer profit des leçons du passé. Malgré son surprenant essor économique des dernières décennies et son goût immodéré pour les nouvelles technologies, la Corée du Sud reste un pays fier de ses racines, de son histoire et de ses traditions. Bien décidé à continuer de conjuguer ses coutumes au présent. Thank you.